旧友の皆さん、早速ですが自己紹介させていただきます。僕はサイ・アクト。ご存知の方も多いようですが、ヤタガラスにより魔王と診断されたものです。僕に対する好奇の目は受け入れましょう。ですが接触もせずに恐怖心を抱いているとしたら、それは一方的な差別につながると思いませんか。かの適性診断は C'est le même que... Ah, mais ici, là, t'as PP6. Ma PP, même... laquelle? Photo de profil, là. Sur le jeu? Ouais. Bah, du feu. Mais y'a des trucs qui sont pas stylés chez WAM? Bah, ouais, enfin, déjà... Y a... Je veux pas sale gueule. Non, mais moi, c'est pas ça qui me gêne, genre, tu vois, c'est... Genre, comme au jeu des 7 erreurs, pourquoi sur ta photo de profil, t'as des cheveux et en vrai, t'en as pas? Oh le bâtard, mais j'en ai avec des cheveux, j'en ai, attendez, ok, je vais enlever ma casquette en live, j'enlève la... Non, mais c'est bonne guerre, arrête, c'est bon. Ce genre d'idée. Ah là là. Alright, let's do it. Let's do it. Wow. Let's do it. Colum sort de ce corps. C'est de la classe. Ce mec a chopé un numéro quand même en chantant du Pokémon dans le métro. Dans le métro, à 7h du mat. Il chantait du Pokémon dans le métro et la meuf avait trouvé que c'était sympa ce qu'il chantait. Et quand je lui dis, mais t'es sérieux Sky, t'as pécho à 7h du matin dans le métro. Mais c'est pas moi frère, elle me regardait dans le reflet de la vitre. Et mec... je te jure 40%. Le mec, il est sorti du métro, il m'a regardé, il m'a fait elle, info sûre, j'ai son numéro là sorti du métro. Tu voyais qu'il commençait à la suivre et tout. On savait pas si c'était la bonne sortie, mais on suivait quand même. Attends, vous étiez à 4 en train de fumer une meuf? Non. Non, t'inquiète. Alors là. Allez, viens, on la suit, elle nous a regardé dans le métro. Vas-y, on a fait une cache aux ailes et tout. On s'est toujours regarde, dit dans l'équipe. Et ça, je l'avais dit à Sky au début quand il est arrivé dans l'équipe, quand je l'ai recruté. Et c'est vraiment vrai, j'ai dit cette phrase et elle passe partout. Si un jour on croque tous ensemble. Et ça s'applique aussi aux meufs. Après, la question, c'est qui est-ce qui croque en premier et qui est-ce qui croque en dernier. Toujours le patron, moi je m'en fous de ce qui se passe derrière. Je me casse. Si je me fais travers ou wallbang, je vais pleurer là. Nous allons attendre effectivement dans le petit trou. Hop là, salut. Ce réflexe HS, même moi je me suis effrayé tout seul quand je l'ai mis. Oh, attends, ça j'ai des grenades en dessous. Salut! Oh. Merci pour le overheat. Un mort. Mort. Job, my friend. Où il est? Je le vois pas. Je suis blanc. Il est où Fake? Ouais. Non, bah c'est celui qui me tue. Moi j'ai pris quoi? Y'en a un grenade? Ouais, il a un million de balles ou quoi? Dans le grenier? Toujours faut ouvrir les trappes quoi. Dans le grenier? Attends, si il a rien. Grenier sûr. Wouah! Le petit Ace, Wetter. Wouhou! Fatality. Oh, rabat ton sexe. Allez. Microline comme ça. Perdu sur la main.
Merde. Ça a sauté. Wow. Rentre encore mon derrière toi, rentre de Twitch. Oh, ouais. Ah, et ressuscite dans la cam. B en B. Oh, il est sur la mirage, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il a appelé le mirage, son vert, son vert. Ouais, mais bon. Bon. Wow, merci pour le reset en but. Hardcore! Casse-toi. Ouais, c'est bon, pas la peine de gagner la game. Franchement, c'était magique. Qu'est-ce qu'il prend lui? Le joueur Millenium qui se fait cut dans le dos. Oh là là, Skybo. Je félicite, salut les autres, si à venir avec la fin du live. Et salut Exil. J'en étais sûr. Je pense que monsieur lui seul pourra répondre lui-même. Si c'est mieux d'avoir une meuf avec des enfants ou pas. C'est mieux d'avoir une meuf avec des enfants ou pas. Je poserai la question inverse. C'est mieux d'avoir des enfants avec une meuf. Après bon. Ah moi avec des mecs j'aimerais bien. Regarde, écoute. Vous pouvez clipper. Vous pouvez clipper. Il n'y a pas de problème les gars, vous pouvez clipper. Oh merde, j'ai croisé un Blackbird. Ah, t'as vraiment du talent. C'est ça? Oh putain. Fais la photo. Ah, je suis pas allé. Nous on est en train de tryhard, on fait des trucs de ouf, les mecs ils dessinent des pénis sur les murs. Attends. Eh, mets-toi plus à droite. Il est magnifique. Ah, voilà, t'es génial. Pour bibliothèque, ça drone pour bibliothèque. Club de Sénégalais ou pas? Club là, mec. Mais ouais, ça fait longtemps que vous êtes. Ça fait longtemps. Si ta club elle ressemble à ça, mon gars, je comprends pourquoi elle te répond plus. Attends, on va refaire les. Ouais, parce que là, c'est un petit boudin quoi. C'est un. Bah non, c'est une top derrière quoi. C'est un petit sexe. Un petit sexe boudiné quand même. Attends, on va faire. Tu veux voir les miens derrière? Y'en a un encore sur le balcon, derrière la petite cheminée, tu sais. Et y'en a un dans la master, c'est Ibana. Ouf! On a pris sur le troisième. Encore? Toujours balcon derrière le petit renfort là. Y'en a un qui est low. Ok, regardez, derrière le petit renfort, je vous le ping. Oh là là! Eh, j'étais pas prêt, t'es mort, wesh! Eh, j'étais là, je me suis dit, tiens, je vais aller se balader! Et là. Oh, t'as fait une glissade gros dans le trou. Ah ouais, j'ai cru que j'étais dans. J'avais marqué un but. Eh, j'ai glissé. Qu'au bout du monde. Oh, ça décale l'escalier, fais gaffe. L'escalier, Marie. L'escalier. L'amiral avait. Kikaku. Mewaku bakari kagete. Gomenda. Bien Sky. Ça va être compliqué, ils ont l'air d'être agressifs. What? Ok, j'étais sur mon drone, je suis mort. C'est une blague. Mec, tout le monde l'a vu. Il est... Véridique Six. Il était en train de téléguider son drone, il a explosé. Et ouais, et ça, Six, c'était un move EV+. Je fais pas référence à ton fail total où tu as cramé un plan cul à quelqu'un parce que tu lui as répondu que t'étais homo, que le mec était homo et qu'il était en kiff sur 6-4, mais ça, y'a pas de... Ouais, je sais, mais c'est triste quand même. Du coup, y a un youtubeur, je ne citerai pas le nom parce que à la base, c'était. On s'est posé dans notre petit coin YouTube qui reçoit un truc. Ouais, je kifferais être en couple avec toi ou même me faire sauter Samiré. Il est trop content. Non, une meuf. Trop content. Attends, écoute. Attends, écoute l'histoire quoi. Bref, le youtubeur trop content, il nous montre le message, il me le montre. J'ai dit, je peux le montrer à Iris. Je le montre. Non, je l'ai d'abord vu. Je le montre à Iris. Ah, oui. Et à Iris, il lui fait, ça dérange si je le passe en bout de table. Je le montre à 6-4, promis, on écrit rien, y a pas de problème. Et
le téléphone il va jusqu'à chez 6-4 et on dit 6-4 t'écris rien hein. Il se lève, il se barre avec le téléphone, on arrive à choper le téléphone, on voit quoi dessus. L'autre elle lui écrit j'aimerais bien te sucer la bite et tout, j'aimerais coucher avec toi. Lui lui répond je suis désolé, je suis pédé, je kiffe 6-4. Voilà. Voilà. Mais je croyais que c'était le téléphone d'Airy. Et c'est véridique, 100% vrai. Non, non, Mathieu, pour les 10 euros, c'est pour toi, ouais, tu es le meilleur. Merci beaucoup, frérot, ça fait extrêmement plaisir. D'accord, c'est le 5回 nanda. Boku no kodou ni mattaku akui wa nai shi, kimi o hazukashimeru tsumori mo nai. Shinjite kure. Hontou ni kimi ga kini itta kara kankei o musunda wake da shi, ii kagen na kimochi ja nai. D'accord. Ouais, ouais, il a pris un trop bien. Bon, alors reprenons, t'es où, Mary? Attends, j'arrive. Ah bah non. Ça remonte escalier rouge. Ça remonte escalier rouge. Je vais te forger, Mary. C'est lui. Sky, ta gueule. Non mais j'ai nice. Oh, j'ai cru que j'allais complètement le poteau. Oh, avec l'explosion de la grenade, le truc qui me fait trembler. Il est. Non, ah, tu t'arrêtes jamais. C'est j'ai infernal. Back office. Mais regarde, ils prennent pas, ils prennent non. Mais... Yes! Je l'ai! Non! Dégage! Je l'aurai pas! Ah le bâtard! Yes! What? Putain, mais comment tu peux te concentrer avec des mecs pareils, quoi? Je l'ai pris, ça t'a choqué, il était dessus! Putain, mais. Va-t'en! Oust! Dégage! On va se faire sauter. Oh oui! Je t'ai pas pris, il m'a skin ce bâtard. Eh, j'étais en train d'essayer de prendre le truc. Eh non, il va faire chipper. Donc tout à l'heure on a commencé le truc, comme je le disais, on a commencé par une étude de prostrate où en fait pendant une heure et demie, deux heures, on a parlé de tout ce qu'il y avait chez Requiem, les problématiques, nanana, comment que sur quelle rune, quel décalage, quel truc, quel machin. Et après Skyboo est arrivé sur le live et j'ai fait mais attendez mais je sais pourquoi vous avez perdu. C'est juste parce qu'il est insupportable ce garçon en fait. Et voilà, bah c'est tout, faut dire la vérité.